Hello les amis, c'est Vincent pour la chaîne de Fil dans ta chambre. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour le test de Chocobo GP. Alors à l'instar de la licence Mario, hein, qui s'est déclinée en pléthore de styles, vous savez que la saga Final Fantasy s'est également essayée à différents types de jeux qui sont inspirés de son univers. En 1999, juste avant que Final Fantasy VIII débarque sur PlayStation, un certain Chocobo Racing a fait son apparition. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait il fait partie de la ribambelle de titres qui sont sortis dans les mêmes eaux avec Crash Team Racing, et qui ont tenté de faire de l'ombre à un certain Mario Kart 64. Et ça sans trop de succès. Du coup, 23 ans plus tard, on retrouve la licence sur le devant de la scène avec ce Chocobo GP. À croire que Square Enix n'a peur de rien parce que, outre le fait que Chocobo GP ne soit disponible que sur Nintendo Switch, bah, il s'attaque juste à un secteur qui est complètement bouché par Mario Kart 8 Deluxe qui est tout simplement le jeu le plus vendu de la machine. Et ce, alors même que ce dernier va s'enrichir de nouveaux circuits via des DLC. Autant dire que ce Chocobo GP a intérêt à proposer de sérieux arguments pour qu'on s'y attarde. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors forcément, vous vous doutez bien, c'est hyper difficile de pas réaliser ce test sans faire de comparaison entre le maître du genre Mario Kart 8 Deluxe et Chocobo GP, donc pardonnez-moi si j'en fais régulièrement, parce que je pense qu'on a vraiment pas le choix. Alors la première grosse différence entre les deux jeux est que le jeu de Square Enix lui propose un mode histoire qui fait office de gros tutoriel. Alors bon, clairement, narrativement parlant, c'est loin d'être fou, tout comme la mise en scène qui correspond à toute petite scénette assez peu animée, mais personnellement je m'y attendais donc je n'ai pas été déçu. Certains moments font quand même esquisser un petit sourire, parce que le jeu se prend pas au sérieux et se moque de certains clichés du JRPG, et moi j'ai trouvé qu'en soi, bah c'était pas mal. L'idée de ce mode histoire, c'est surtout de poser les bases du gameplay par couche, et également d'en apprendre un petit peu plus sur chaque conducteur. Et du coup vous allez voir, on y rencontre de très nombreuses têtes connues, comme Chocobo, Cid ou Irma, qui étaient déjà présents dans les autres jeux Chocobo, mais également de nombreux personnages de l'univers de Final Fantasy, comme Terra, Vivi ou Steiner. Alors ce mode histoire est découpé en chapitres, et surtout, il permet de débloquer diverses choses, comme de nouveaux personnages, de nouveaux équipements, et de nouveaux circuits. En termes de difficulté, bah, il faut savoir que ce mode est jouable dans un premier temps en mode normal, et une fois que vous l'avez terminé, vous débloquez le mode extra. En gros, ça va vous obliger à refaire deux fois le jeu si vous souhaitez tout débloquer, en réalisant tous les défis disponibles. Mais très clairement, ça vous prendra pas beaucoup de temps, c'est à peine plus de 3 heures. Du coup, vous l'aurez compris, ce mode histoire fait vraiment office d'amuse-bouche, c'est histoire de s'occuper quelques heures et d'apprendre les bases, et ce qui devrait vraiment vous occuper du coup, c'est le mode GP Chocobo, qui est véritablement le cœur du titre. Alors il s'agit d'un championnat éliminatoire sur 4 manches, qui permet à 64 joueurs en ligne de s'affronter sur plusieurs circuits. Alors concrètement au départ, on a 8 groupes de 8 joueurs qui s'affrontent, et les 4 premiers de chaque groupe passent à l'étape suivante, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la finale, où on retrouve les 8 meilleurs joueurs restants, qui doivent se tirer la bourre pour le titre. Alors j'ai trouvé que le système est vachement sympathique, ça donne envie de se dépasser pour finir premier, et il y a vraiment du challenge bah, à jouer contre d'autres vrais joueurs. À l'issue de chaque course, on gagne des points qui permettent de passer des niveaux, et des défis sont à réaliser pour gagner des pièces qui permettent d'acheter de nouveaux items, des musiques, des cartes, et des personnages dans la boutique dédiée. Bref, c'est vraiment le mode qui va vous occuper le plus longtemps si vous souhaitez tout débloquer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à débloquer. En revanche, il y a quand même plusieurs choses à noter concernant Chocobo GP. Alors la première, c'est assez évident, mais c'est toujours bon quand même de le rappeler, c'est qu'il faut absolument un abonnement Nintendo Online actif pour en profiter. La deuxième chose, c'est que ce mode est malheureusement sujet à la qualité qui est, vous le savez peut-être, assez variable du online de la Switch. Alors comprenez par là qu'en gros, des fois ça se passe très très bien, et certaines fois, bah, vous vous ferez virer comme un malpropre en plein milieu du championnat, sans explication. Alors la situation la plus débile qui m'est arrivée à cause de la qualité variable du online, est que j'ai carrément pu finir une course sans que les 7 autres ne démarrent, comme vous pouvez le voir à l'écran. En gros, ils étaient complètement figés, et le truc, c'est qu'en fait, on peut pas passer à la course suivante tant que 4 personnes n'ont pas terminé la course. Du coup, bah j'ai attendu, un certain temps, au moins 3 bonnes minutes, et d'un coup, hop, un concurrent s'est mis à rouler, et puis quelques temps plus tard, hop, un autre concurrent, et au bout d'un moment, ils sont tous débloqués, sauf que moi j'avais déjà fini la course depuis plus de 5 minutes. Alors, c'est une situation qui est totalement ubuesque, qui m'est arrivée qu'une seule fois, mais bah il faut savoir que c'est possible, parce que la qualité du online, quand même assez bancale. Et du coup, ne vous dites pas qu'à la limite, bah, si le online fonctionne pas toujours bien, on peut se rabattre sur le mode local pour l'utiliser comme la toute nouvelle référence de nos soirées entre potes ou entre amis, bah, parce qu'en fait, le jeu en local se limite à 2 personnes. Et autant dire que ça la fout super mal, à côté d'un Mario Kart 8 Deluxe, oui, encore lui, qui permet de jouer à 4 sur un même écran. Parlons un peu du plaisir manette en main,
Bah, globalement, j'ai trouvé que la conduite était assez agréable et assez simple à prendre en main. On retrouve un système de dérapage qui est similaire à celui de Mario Kart, avec la possibilité d'obtenir un boost d'accélération qui est plus ou moins puissant en sortie de dérapage. Je l'ai trouvé moins agréable à réaliser que dans le titre de Nintendo, ça c'est clair. Si la conduite en elle-même est assez agréable, j'ai malheureusement trouvé que le facteur chance des courses est bien trop marqué à mon goût. La faute, entre autres, aux magidites qu'on récupère en course et qui permettent de lancer des attaques élémentaires, mais également aux pouvoirs bonus des personnages qui parfois sont complètement abusés. En fait, il faut savoir que certains pouvoirs peuvent aussi bien avoir un effet sur vous que sur les autres. Et du coup, par moment, quand tout le monde lance son pouvoir en même temps, c'est un super gros bordel, et un gros bordel qui est surtout illisible. Et du coup, on comprend pas trop ce qui se passe, et puis d'un coup, hop, on passe de 1er à 8ème sans trop savoir pourquoi. En termes de circuit, je suis désolé, là encore, c'est difficile de pas les comparer à ceux de Mario Kart 8 Deluxe. On compte 9 pistes, ce qui est très très peu. Certes, on pourra se dire que certaines pistes proposent d'une à trois variations, ce qui en fait, au final, fait qu'on se retrouve avec une vingtaine de tracés, mais globalement, quand on les regarde, ils sont hyper simplistes, et ils sont surtout très courts. Et en termes d'inspiration, ça vaut clairement pas ceux de Mario Kart 8 Deluxe. Graphiquement par contre, là, moi j'ai trouvé qu'il n'y a rien à redire. C'est super mignon, c'est coloré, c'est hyper agréable à regarder, et on est bien content de retrouver certains lieux bien connus de la franchise, qui en plus sont accompagnés de leur thème, avec certains réarrangements que j'ai trouvé hyper sympathiques. En revanche, la musique des menus, oh là là, quelle horreur. Mon verdict, 3 pixels sur 5. Globalement, j'ai trouvé que Chocobo GP est un jeu de course qui est quand même sympathique. Il est beau, il est coloré, puis il propose un contenu à débloquer qui est suffisamment conséquent pour maintenir l'intérêt du joueur sur la durée. Sauf que, malheureusement, dans sa globalité, moi j'ai trouvé que tout était un bon cran en dessous du maître du genre, Mario Kart 8 Deluxe, je suis désolé, mais pour moi c'est un fait. La conduite est un peu moins agréable, les tracés ne sont pas aussi nombreux et surtout pas aussi inspirés, et puis à mon sens il y a vraiment un problème d'équilibrage entre l'aléatoire et le skill. Et à côté, il est impossible de jouer à 4 en local, et moi je trouve que c'est un gros problème. Je pense également que l'univers de Final Fantasy aurait gagné à être plus mis en avant, en reprenant davantage de pistes et personnages iconiques de cette licence que personnellement je trouve incroyable. Mais bon, soyons optimistes, gageons que le système de saison mis en place dans le GP Chocobo permettra de pallier à ce problème en proposant plus de personnages et de circuits issus de cet univers sur le long terme. Et voilà, c'est fini les amis pour le test de Chocobo GP. J'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, surtout à partager pour nous faire connaître, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on est présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Je vous invite à nous rejoindre pour ne rater aucune de nos actualités et petites pensées du moment. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne de Fil dans ta chambre. Ciao les amis !